Kenobi stands in her way. It seems fate still doesn't want you dead. Salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le vidéo test gameplay découverte de Sekiro Shadow Die Twice sur PlayStation 4. Édité et développé par Activision et From Software, sorti officiel le 22 mars 2019 et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Et ça y est, j'ai enfin débloqué le grappin. Oui, je ne suis pas très loin après les premières missions qui nous ont fait plus office d'un tutoriel et d'un apprentissage. C'est bon, voilà, je vais y arriver. Carré pour pouvoir vous agripper sur les rebords, pour pouvoir ramper le long des falaises. Enfin bref, on expliquera le gameplay et d'ailleurs le lore un petit peu plus tard. Excellente note de 18 sur 20. Rappelons donc que From Software, c'est le studio de développement qui est à l'origine de Demon's Souls, Dark Souls ou même Bloodborne. Ou est-ce que d'ailleurs, bah, ce dernier s'apparente énormément à beaucoup de points similaires avec Sekiro. On a un gameplay qui est très dynamique, qui se base sur un aspect de contre et de brise-garde, et bien entendu de backstab comme vous pouvez le voir. Une touche pour pouvoir se déplacer beaucoup plus lentement et arriver dans le dos de nos ennemis pour pouvoir les surprendre et leur faire un critical shot qui dans 90% des cas, si ce ne sont pas des gros boss, et bien les tueront sur le coup. Le grappin nous offre un sentiment énorme de liberté. Oh bordel. Ouais, cache-toi. Voilà, on peut se cacher dans le feuillage pour ne plus être repéré. Mais voilà, le grappin nous offre un sentiment de liberté qui nous fait croire en fait que la map est beaucoup plus vaste que la plupart des jeux avec une linéarité au niveau de la progression, autant scénaristique que visuelle dans les stages. Et le phasing map que nous offrent les Die and Retry. Mais du coup, voilà, le fait de pouvoir s'agripper partout nous offre vraiment ce sentiment d'une map limite. Je vais pas dire open world, parce que bon, on sent quand même que c'est clôturé tout autour. Mais au moins, on a ce puissant sentiment de liberté et on a différentes façons de pouvoir appréhender un adversaire. Et du coup, on est vraiment beaucoup plus maître de nos gestes et de nos actions. Ce qui fait que l'on ne pourra s'empêcher de s'en vouloir quand on va mourir, parce que clairement un Die and Retry, ce n'est pas la faute du jeu. C'est à vous de prendre le recul nécessaire et d'observer la situation. Ce n'est que de l'observation et pour connaître le pattern et la strate gestuelle de votre adversaire, pour pouvoir l'analyser et le vaincre, pour ne pas se prendre son contre à lui, son attaque ou même un cast très important. Je vais l'équiper. Voilà, le sucre il va aller là. Donc du coup, voilà. Comme je le disais, le héros que nous incarnons s'appelle... Enfin, son surnom, c'est Lou. Il s'agit en fait d'un samouraï shinobi. Le jeu se passe au Japon féodal, fin 16e siècle. Et son bras gauche, c'est une prothèse shinobi. En fait, lors d'une bataille, enfin d'un affrontement, il perd son bras gauche et... En fait, il apprend que son destin n'est pas de mourir. Le nom Shadow Die Twice prend toute son importance dans le jeu, car c'est le jeu de la deuxième chance. Vous pouvez, entre chaque hôtel, vous savez, ce qui fait référence à une flamme dans les Dark Souls, ce que j'ai devant moi, vous pouvez donc du coup faire réapparaître tous les adversaires qui sont tout autour de vous, et à ce moment-là, forcément tout recommencer.
Là, par exemple, je crois que les chiens ont dû réapparaître. Mais voilà, pour en venir au fait d'avoir en fait une deuxième vie qui vous permettra de pouvoir à nouveau backstab votre adversaire et de le prendre par surprise parce que l'ordinateur pense que vous êtes mort. Ce qui fait tout simplement que ben, le jeu est, je trouve, beaucoup plus difficile qu'un Bloodborne, pas aussi dur qu'un Dark Souls, très inspiré de Nioh, mais bon, Nioh n'est pas un jeu de From Software, il a été fait par les développeurs de Ninja Gaiden, qui est un excellent jeu au passage. Et comme je le disais, voilà, ça s'inspire, comme c'est au Japon féodal, on a un petit peu l'esprit Nioh, assez arcade, dynamique sur les mouvements, et Lou, du coup, est un shinobi. La culture du shinobi, du samouraï shinobi, veut que, outre le père de la personne à qui il lui doit allégeance, respect éternel, eh bien, il n'y a qu'une seule personne qui peut être supérieure au shinobi, c'est au maître à qui il prête allégeance. En l'occurrence, dans le jeu, quand vous allez commencer, le père de Lou décède et son maître est enlevé. Il n'a plus aucune raison de vivre et se résigne à mourir. Au final, un dernier élan d'espoir, en apprenant que son maître n'a que été capturé, n'est pas mort, le pousse à aller ben, le libérer, tout simplement. Ça, c'est le lore principal du jeu. Et c'est à vous ensuite de parcourir tous ces petits events, tous ces petits stages qui composent la map autour de ce Japon féodal pour retrouver votre maître et ainsi sauver l'honneur à moitié bafoué, à moitié déshonoré qui vous est donné. J'essaie donc du coup d'apprendre un petit peu sur ce général, c'est le premier gars que je rencontre et il me démonte la gueule. Bon, du coup, c'est la première fois que je meurs. Ah, il y a forcément du coup le principe, vous voyez, mourir ou se raise. Ah oui, mais le gars m'a carrément détecté. Non d'accord, on ne réapparaît qu'avec la moitié de sa vie. J'ai vu pas mal de gameplay, de tests écrits du jeu, donc voilà, je sais de quoi il en retourne. D'ailleurs, ce gameplay découverte sera basé uniquement sur deux boss, entre guillemets, je dis bien boss, entre guillemets. Donc lui, voilà, vous voyez, il a sa barre de vie, il a deux points rouges au-dessus, c'est-à-dire que quand je vais lui niquer sa première barre de vie, eh bien, il en aura une seconde. Donc du coup, il a beaucoup plus de vie que moi. J'essaie de contrer vraiment au bon moment. Comme je vous dis, le jeu est un aspect vraiment de contre. Ma barre de contre est en bas, elle se réduit avec le temps, et plus on va frapper l'ennemi, plus on va le contrer, plus sa barre orange à lui en haut va grimper. Une fois qu'elle sera au maximum, je pourrai lui faire l'équivalent d'un backstab. Le backstab, je vous le rappelle, c'est les coups par derrière pour faire un énorme coup critique. En train de m'enchaîner. Et il a pas pris ma petite fumigène. Je me suis gouré. De toute façon, je pense que je vais crever. Et sa barre est en train de redescendre. Le son, par contre, est génial. Hein, que ce soit les musiques de fond, et puis... Ouais, voilà, c'est magnifique. Enfin, magnifique, hein, tout est relatif. Mais d'entendre le son de la lame qui se plante dans le corps, le bruit du sang qui gicle, etc., c'est super bien fait. Bon, de toute façon, là, je m'attendais pas à forcément gagner. Bon, voilà, on va essayer de réétudier le personnage. Et puis, qui sait, peut-être qu'on peut lui arriver dans le dos pour lui faire un bon petit backstab, quoi. Bon, on retourne forcément au précédent hôtel. Aide divine. Qu'est-ce que c'est que ça? En cas de mort, l'expérience et les scènes sont divisées par deux... Ah, on ne perd pas la totalité de... D'accord, c'est que divisé par deux. Oui, donc, ok. Donc c'est une aide du jeu, en fait, qui nous permet, en gros, au lieu d'être divisé par deux, là, en gros, j'ai tout gardé, c'est comme si je n'étais pas mort. C'est écrit en bas, 30%. En plus, on a 30% d'aide. D'accord, d'accord. Bon, après, l'inventaire est très basique, hein. On s'y retrouve facilement. Si je rate mon premier coup face au dog, ça va pas aller. Bon, les chiens, on ne peut pas les contrer. On peut juste esquiver avec la touche rond. Alors que les parades se font avec la touche L1. R2, ce sera du coup votre prothèse shinobi. Vous pourrez l'équiper de diverses armes. Que ce soit un lance-shuriken, équiper un canon, lui mettre une hache rétractable.
plusieurs armes, plusieurs facettes de cet item pour un gameplay qui sera adapté à votre style de jeu. Voilà, on va récupérer tout ça. Restez appuyé sur la touche carré pour pouvoir récupérer tout l'or. L'or qui vous sera du coup réclamé pour diverses améliorations. Et qu'est-ce que c'est là-bas? C'est quoi ce machin? Oui, il m'a remarqué. Oh, c'est un poulet! Allez, viens là. Oh! Waouh, putain, il fait mal! Oh, bordel! Ah, il m'a enlevé déjà la moitié de ma vie, putain. Oh, quelle horreur, quoi! Oh, je vais affronter le capitaine en étant Half-Life, quoi. Oh, c'est une horreur! Qu'est-ce que nous avons là? Ah, des boulettes. Bon, ça, ça nous remonte la vie, mais sur une durée, en fait. Bon, du coup, la vie remonte petit à petit. Ce n'est pas aussi puissant qu'une gourde médicinale, mais c'est déjà d'huile. Ah, on n'est pas obligé de le combattre, au final. On peut s'écarter. Et je crois que c'est comme ça que l'on pourrait le backstab, d'ailleurs. Oh, oui. Oh, je vais prendre un avantage, regardez. Un avantage certain. Voilà, une barre de vie déjà enlevée avec un backstab. À moi maintenant de gérer, sachant que je vais pouvoir mourir une deuxième fois, mais faut pas que je me repose sur mes acquis, je me fais démonter déjà. A savoir que vous pouvez aussi contrer ce qu'on appelle des balayages. Ils peuvent vous attaquer autant au sol qu'avec une garde à moyenne portée. Donc, ils vont essayer de vous attaquer les jambes, faites croix pour sauter. Vraiment... Tout le jeu résulte dans l'observation de l'adversaire. Ce qui est assez complexe pour moi, vous avez dû le voir, j'ai pas testé souvent des Die and Retry. Le dernier était Immortal Unchained. J'avais pas mal de mal à parler durant le gameplay. Donc du coup, je suis désolé si pendant les boss phases, autant les mobs, ça ne m'inquiète pas de vous parler du jeu dans les grandes lignes. Mais quand il s'agit d'un boss, c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Vous devez sûrement... le ressentir. J'ai tellement envie de le démonter. Ah, même si c'est lui qui me démonte. Allez. Bon, tout ça pour dire que les Die and Retry, après, il faut que ça plaise. Vous êtes amateur de difficultés. Eh bien, c'est un jeu qui sera fait pour vous. Néanmoins, si vous êtes un peu comme moi, n'appréciez pas trop les jeux avec une grosse difficulté, ben ouais, faut pas vous lancer là-dedans. Yes, c'est bon. J'avais une fraction de poil de cul de vie, mais je t'ai pété la gueule. Les perles de chapelet. Ah oui, ça c'est pour augmenter du coup votre force, votre vie. Il vous en faut 4 pour pouvoir augmenter une caractéristique personnelle de loup. La graine de gourde, ça me permettra aussi d'avoir, donc du coup, au lieu de ma gourde médicinale, au lieu d'en stacker une seule, je pourrais en avoir 2. Plus vous aurez de graines, plus vous pourrez stacker d'objets qui va pouvoir vous redonner de la vie. Bon, lui c'est fait. Je vais aller me reposer pour pouvoir reprendre toute ma vie. Les boss, normalement, si c'est From Software, les boss ne devraient pas réapparaître. Les mobs, oui, mais pas les boss. Allez, mais c'est pas vrai. Ouais, j'avais le grappin ici, bon. Je suis con, autant pour moi. Améliorer les caractéristiques, ouais, mais bon, il va en falloir 4 normalement. C'est ça. Allez, on se repose, on fait réapparaître tout le monde. Je vous prie d'ailleurs de m'excuser, je parle un petit peu avec le nez, je sais pas si vous l'avez remarqué, je suis assez malade, mais bon, ayant eu Sekiro un petit peu en avance, 3 jours avant pour être exact, je me devais quand même de le tester et de vous donner un avis pseudo-concret de découverte pour le jour de sa sortie. Vous savez très bien que c'est ma politique de test. Vous sortir un jeu le jour même de sa sortie, afin que vous puissiez avoir un avis concret sur l'achat du jeu, ou non. Vous faire économiser 70 balles, n'oublions pas que le jeu vidéo, ça reste un investissement. Si je peux vous faire économiser quelques euros, putain, tu vas le taper, ce putain de chien, ce putain de loup. Voilà, ce serait mission accomplie pour moi de vous faire économiser ou de vous assurer un achat. J'ai plus aucun stuff. Ah, le grappin, c'est vraiment excellent, quoi. C'est, je vous ai dit, un sentiment de liberté.
qui nous fait croire du coup que la map est encore plus grande. Oh oui. Oh là 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 là, un backstab dans les airs. On apprécie. Il y a quelqu'un qui me tire dessus. Wow, 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 wow. Oh, mais il me charcute lui. Putain, mais calme-toi. Putain, si en plus si c'est la phase de mob qui me met en difficulté, c'est une horreur. Quand je dis que je le compare à Nioh par exemple, bon déjà le 4 s'y prête, mais l'endroit où est-ce qu'il perd son bras, on dirait exactement le même moment où est-ce que vous affrontez, ah bordel, ce fameux guerrier qui porte l'armure rouge et qui a une hallebarde. C'est exactement la même dégaine quoi. Bon, vous me direz après, c'est aussi s'inspirer de cette même époque et le cadre spatio-temporel en est grandement imprégné. Vous pouvez ensuite bourriner, hein, même si votre adversaire ne fait qu'une garde. Le frapper alors qu'il n'a pas fait une garde au moment où vous attaquez lui fera augmenter cette barre de fatigue et vous permettra du coup de lui mettre un backstab, un critical shot, pardon, qui sera assuré. Vous avez donc du coup aussi un arbre de compétences. Le fait que vous parcouriez la map, que vous tuiez des adversaires, vous fait augmenter une petite barre en haut à droite. Et chaque point vous permettra de monter. Putain, j'ai raté mon coup en l'air. Je suis vraiment une queue. J'allais dire un mot plus vulgaire. Allez, toi. J'ai l'impression quand même que les ennemis un petit peu attendent que vous ayez fini le combat. C'est un petit peu plus simple mine de rien parce que normalement les ennemis n'attendent pas, hein. Ils vous attaquent à plusieurs en mode aucun respect. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a l'air d'y avoir... Ah oui, c'est en bas. Ça a l'air un peu risqué de passer par là. En bas, il y avait un truc de grappin. Ah, il y a un objet. Je vais tenter un truc. Oui, parfait. Donc, je suis jamais mort de dégâts de chute, donc je sais même pas s'il y en a. Enfin, tout me pousse à croire que normalement, il devrait y avoir des dégâts de chute. Enfin, après, c'est un ninja. Peut-être qu'il n'y a pas de dégâts de chute, du coup, à cause de ça. Enfin, j'en sais rien. Et j'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie de crever une nouvelle fois. Mais au moins, le fait d'utiliser votre grappin alors que vous êtes à quelques centimètres du sol et peut-être vous prendre éventuellement les dégâts de chute, eh bien, vous pouvez contrer le dégât en vous... En vous réceptionnant avec l'aide de votre grappin. Lui, il a l'air de faire sacrément mal. Je crois que c'est un canon qu'il a dans les doigts. Ça doit être les ennemis qui peuvent vous donner de la poudre. Ce qui voudrait dire, du coup, qu'une arme à feu sera bientôt débloquée. Je ne fais que supputer. C'est incroyable. C'est jouissif de voir ces coups. On l'a bel et bien cette poudre. Bon, il y a du monde en bas. Oui, mais la porte est fermée, donc on va pas... Je suis pas du genre à vouloir tout faire, hein, donc bon. Et quelque chose me dit éventuellement que derrière tout ça, il doit y avoir un boss assez violent. Ouais, il y a du monde là-bas. Alors ça en rouge, ce sont des échos. Ça vous permet d'en savoir un petit peu plus sur le lore, mais ça je vais éviter. Du coup, on va éviter le spoil, bien entendu, on est là pour voir du gameplay. Et ce que je vous ai dit dans les grandes lignes devrait vous suffire. Et si ça ne vous suffit pas, eh bien c'est pareil. C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Je crois que c'est encore un poulet, ça. Oui, c'est un poulet. Voilà. Pas besoin de m'attaquer. Oh, yes. Voilà, on va pouvoir sauvegarder ici. Faire réapparaître ce fameux poulet d'ailleurs. Alors. A savoir qu'entre chaque hôtel que vous débloquez, vous pouvez vous y téléporter. Hein. C'est gratuit. Et c'est fort appréciable. Putain. Je parle du poulet que je vais faire respawn et j'y passe à côté comme un con. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a du loot. Je crois qu'il y a du loot. Ah non, c'était une torche. Ah, lui c'est le marchand.
Ouais, bon, mais on limite le spoil, comme j'ai dit. Allez, on va donc enchaîner. Alors, bon, j'ai un peu avancé. Et d'ailleurs, j'aurais voulu record... Oh, bordel. J'aurais voulu record... Le mec me met des sauts chassés, quoi. Cette espèce de putain d'ogre, lui qui a une allonge de bâtard avec sa hallebarde, là. J'aurais voulu record plus tôt, mais j'ai eu un petit problème avec mon HDP VR, donc du coup, je suis en plein milieu du fight. Je prends un peu au dépourvu. Mais là, je pense que je suis un peu trop dans la merde. Il a des mouvements lents, mais par contre, quand il vous chope, suffit de voir le dégât qu'il m'a mis avec son double pied sauté dans la tronche. Je pense que des esquives latérales, c'est un bon point pour celui-là. Comme vous pouvez le voir, c'est aussi un pseudo-boss, il a deux barres de vie, on le voit en haut à gauche. Et d'ailleurs, pour vous faire part d'un petit truc, même si ça n'a pas bien record et que je vous prends en plein milieu du match, ben sachez que juste pour arriver à cet endroit-là, il n'y a eu qu'une porte à franchir, et ben je suis mort en fait deux fois. Voilà, c'était une petite précision pour vous dire qu'en fait le jeu vous prend pas pour un con, hein. Si vous faites vraiment de la merde, il va vous le faire payer. Le karma existe bel et bien, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Ne pensez pas que parce que vous avez fini tous les Dark Souls-like, vous avez des acquis. Sekiro va très vite vous le faire comprendre, et moi qui parle, il me dit ferme ta gueule et concentre-toi sur le combat. Il est foutrement bien fait quand même ce jeu, c'est incroyable. Bon, tu m'attaques, hein. Oh putain, il m'a fait un grab. Quelle horreur. Ah, il a mis ses bras bien écartés pour couvrir le maximum de surface. Oh, comment c'est pute ce geste. On s'y attend jamais. Surtout que, quand on leur enlève une barre de vie... Je l'ai bientôt fini, ça y est, je vais le buter. Je vais le terminer. Non, 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 non. Oh, le connard que je suis. Oh, eh ben, mais bien fait pour ta gueule, X-Rouge. Mais, oh là là, mais vous avez vu, j'ai pris la confiance. Il lui manquait un coup. Un coup pour qu'il soit sonné et que je lui mette un critical shot. Mais quel con. Mais quelle horreur. Aide divine, ben ça m'aidera bien ça. Bon, moi voilà, vous allez voir le passage que j'ai pas pu record. Il lui manquait un coup. Oh non. Mais quelle horreur. Qu'est-ce que je peux être mauvais quand je m'y mets, quoi. Ah mais, je mérite absolument ce qui vient de m'arriver. Mais complètement. Oh mais qu'est-ce que ça me fait plaisir de l'avoir vu me porter un... En plus, il m'a écrasé au sol, tête la première, en me prenant tête en l'air. Le mec m'a mis une German Suplex portée avec autorité. Dédicace à ceux qui aiment bien la WWE. Oh, quand il vous grabe, mais il fait pas semblant. Ah, ça vous ménage pas. Bon, voilà. Esquive, vous avez le temps de deux coups, voire un dans les cas très très limites. On va se limiter uniquement... à deux coups. Voilà. Dans ma tête, je suis en train de me dire, ça a pas l'air compliqué pourtant vu comme ça. Ok. C'est vrai que, ouais, quand il veut grabber au sol, faut penser à sauter. Ça, j'y pense pas forcément. Oh, c'est bon. Oh. Heureusement que le G en arrière ne vous enlève pas de vie. S'il pourrait vous faire bouffer toutes vos dents les unes après les autres. En vrai, vous prenez un coup pareil, mais vous vous mouchavez la nuque. Hein. Il vous retourne la tête à 180 degrés. Je suis obligé de le buter, cet ogre, parce qu'en plus, vous voyez, il y a... Mais... C'est pas vrai. Hein. Il y a une fumée derrière moi, et je peux pas y accéder, en fait, c'est la suite de la map. Donc du coup, je suis obligé de tuer ce boss. Aussi, je pense pas assez souvent utiliser le grappin. Il me reste une moitié de vie s'il me chope encore, mais bon, j'aimerais bien la garder.
C'est tendu. Croyez-moi que c'est tendu. Oh, mais t'es sérieux, il m'a ramené l'autre, là? Ah, il va falloir que je m'occupe de lui en premier. Parce que eux deux, ils se frappent pas. Ils sont ensemble. Mais avec l'allonge qu'il a avec la hallebarde, croyez-moi, j'ai très bien fait de le buter en premier. Je pense pas détenir un savoir professionnel dans le style d'Ayan Retry, clairement. Mais faut savoir faire la part des choses. Et les plus petits mobs sont parfois les plus chiants. Nota bene. Voilà. Ouh. C'est bon. Incroyable. Perle de chapelet. Bon, mais ça m'en fait 2 sur 4. Super. C'est top. Bon, eh bien, je peux accéder à là où est-ce qu'il y avait la fumée, vous voyez. Et en haut devrait y avoir du loot. Mais j'ai peur aussi qu'il y ait des ennemis. Il serait capable de nous foutre un ennemi juste à la zone suivante, quoi. Allez, il est temps de claquer aussi un petit peu dessous. J'ai chopé un œuf d'or. Hop, un petit peu d'argent. Et on va aller voir. Justement, il devrait y avoir pas mal d'objets. Oui, il y en a tout plein là. Mais faisons gaffe qu'il n'y ait pas d'ennemis derrière les murs. Enfin bref, voilà. De toute façon, le jeu continue exactement comme ça, hein, jusqu'à que vous en sachiez plus autant sur le lore, à découvrir de nouveaux ennemis, de nouvelles stratégies et de nouveaux compléments d'armure, d'armes, de développement. Tout ça dans le seul et unique but également de terminer le jeu et d'augmenter votre arbre de compétences et de vous donner de nouvelles attaques. Sekiro Shadows Die Twice, pour moi, est un excellent Die and Retry, si ce n'est à mes yeux... Tout comme Bloodborne, qui préfère le style un peu arcade, assez dynamique dans les Die and Retry, c'est banco pour moi, c'est une limite avec Bloodborne, mais je préférais From Software. Je vous le conseille vivement si vous aimez les Die and Retry. Moi je vais aller me soigner à l'hôtel, et je pense qu'on va s'arrêter là, parce que vous en montrer plus, bah ça revient un peu au même, mis à part découvrir quelques nouveautés, mais ce sera à vous de le faire. Sur ce, du coup, j'espère que ce test gameplay découverte vous aura bien plu. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. À moi, le nombre incalculable de larmes de sel que je vais verser à partir de maintenant. Mais ça, vous ne le verrez pas. Ah, ciao tout le monde.